Wesh wesh, les petits loups, les louloutes. Jeudi 1er juillet, il est 1h45 du matin. Alors voilà. Je retombe, j'espère pour pas longtemps, dans la case allocataire du RSA. Qui est complètement incroyable au vu des diplômes que j'ai. Donc j'ai un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion. Je suis sorti major de promo de ma session de rue des Corps de Garde à la fois de Strasbourg en 98. Je salue mes anciens profs, monsieur Pénagin et monsieur Alain Holz, avec qui j'ai gardé, enfin Alain Holz, des contacts. Voilà. Il se trouve que j'ai écrit en 2015 un bouquin sur les auto-écoles. C'est très technique vu que je suis un ancien pilote et toujours encore à la retraite quoi, de triage et 50 ans. Donc je lance un appel que je vais mettre sur deux sites puisque je suis informaticien, donc je viens de le dire, je le répète. iautoécole.free.fr et clignotant.free.fr. Je cherche un employeur dans l'auto-école ou en informatique, on peut oublier. Hein, je veux dire, notre président qui dit il suffit de traverser une rue pour trouver du boulot. Hein, je suis la preuve vivante que c'est du pipeau. Je passe un coucou donc, à Étienne Chouard qui dit le chômage est une construction politique. Voilà. J'avais eu la reconnaissance de travailleurs handicapés suite à une erreur de prescription de médicaments, tout le monde le sait. Même avec cette reconnaissance, MDPH, Cotorep, impossible de trouver du boulot dans aucun des corps de métier que je viens d'évoquer. Voilà. Étienne Chouard qui dit la chose suivante que j'ai dit à la CPAM hier. Emmanuel, donc si je mets des vidéos d'Étienne Chouard, personne ne regarde ça, je le sais très bien. Peut-être que si moi j'en mets une, vous la regardez encore que pour regarder les trialistes, regardez les vidéos trial. Mais pas Philippe Stocker qui se plaint de ses histoires de surendettement et de psychiatrie, patatras. Étienne Chouard, donc, dit que notre président Emmanuel Macron est en train de détruire la sécurité sociale. Quand Bruno Le Maire dit qu'il va supprimer les charges au niveau des entreprises, c'est comme s'il disait qu'il va vous diminuer votre salaire. Les charges, c'est du salaire différé. C'est si vous arrive un pépin, c'est une assurance, s'il vous arrive un pépin, ça permet d'avoir un petit fond qui vous permet donc de remonter à la surface, prendre un peu d'air, donc, hein. Ils sont en faisant une cigarette. C'est ma cardio. Docteur Caroline Berthier. Je ne vais pas dire que Gainsbourg a enterré trois de ses cardiologues. C'est plus fort que moi, malgré ce qui m'est arrivé, je garde un bon sens de l'humour, ça vient de toutes les bandes dessinées que j'ai lues. Voilà. Et puis j'aime bien faire rire les gens. Je trouve d'ailleurs même que tous les comiques professionnels, à mon avis, on ne devrait pas demander de l'argent pour essayer de faire rire les gens. Cela dit. C'était Pierre Desproges qui avait dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et j'ai des exemples de comme ça, flagrants, surtout quand je travaillais dans une auto-école un jour, une jeune fille qui avait été élevée, qui ne connaissait pas l'humour. Je pense à Astérix et Obélix, les Normands, quand les Normands ils débarquent. Et ils connaissent pas la peur. Et donc ils attrapent
un jeu de Gaulois qui s'appelle le goût du Rix, goût du Rix, un truc comme ça, ça doit être goût du Rix, qui lui se prétend être le champion de la peur, puisqu'elle a trouvé de tout. Et je vous invite à lire Astérix et Obélix et à lire la bande dessinée en général, puisque la BD développe la culture de l'humour, et si j'avais pas eu cette culture de l'humour à l'heure actuelle, je serais probablement plus en vie si je n'avais pas fait du trial aussi. Et donc, j'invite tout le monde à faire du sport. Le trial, c'est la passion de trois domaines qui sont l'amour de la nature. On peut trouver ça bizarre, mais c'est des petites motos qui polluent très peu. Et la passion de la mécanique auto, donc je suis aussi sorti major, je me répète, c'est des vieux qu'on y répète toujours la même chose. Quoi. Et donc mécanique, la nature, voilà, la nature, et puis surtout le sport, il faut faire du sport. Il faut se lever tôt le matin, surtout les footballeurs. On sent un footballeur là qui veut être professionnel de foot, là, et qui se réveille comme ça, 11h, le matin. Je lui ai demandé d'ailleurs de personnaliser la messagerie de son téléphone portable, quand j'appelle son téléphone portable. Je crois qu'il est toujours pas encore inscrit au Pôle emploi. La vie est belle. Quand on a une maman qui assure le petit luxe, le petit environnement, les jeux de guerre à la con, les jeux de foot à la con devant les écrans avec du sucre à côté, du iced tea, wali walou. Voilà, j'ai du boulot. Comme dit, je suis tout seul là. Je ne peux compter que sur moi. Mais ce qui m'est arrivé, je ne vais pas prendre pour Marlène Schiappa qui s'est pris pour Galilée, mais il y avait Nelson Mandela qui avait dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et j'ai appris énormément de choses avec ce qui m'est arrivé, alors que je suis plutôt un babacou, les canards et tout ça. J'ai acquis une rigueur, une technique presque militariste, parce que quand il vous arrive ce qui m'est arrivé, vous n'avez pas droit à l'erreur. Enough.